de 4 au risque modéré. Environment Canada has updated a special air quality statement at 7:59 p.m. Mountain Daylight Time, Tuesday, May 16, 2023. A special air quality statement is continued for City of Calgary, Rocky View County near Bragg Creek and Suutiai Narez, Foothills County near Prittis and Brown Lowry Pross Park, Foothills County near Diamond Valley, Foothills County near Okotoks and Whitney, Rocky View County near Airdrie and Crossfield, Rocky View County near Bontrell and Madden, Rocky View County near Cochrane, Rocky View County near Arikana, Bisagar and Catherine, Rocky View County near Chestermere, Dalroy and Dalmead, Wheatland County near Strathmore, Lyalta and Cartland, Anti of Bighorn near Canmore, Exshaw and Ghost Lake and Kananaskis Improvement District near Kananaskis Village. Smoke is causing or expected to cause poor air quality and reduced visibility. Stop or reduce your activity level if breathing becomes uncomfortable or you or someone in your care feel unwell. Contact your health care provider or local health authority if you develop severe symptoms or need advice. Check the Air Quality Health Index, AQHI, and monitor your symptoms. People respond differently to smoke. Mild irritation and discomfort are common, and usually disappear when the smoke clears. Drinking lots of water can help your body cope with the smoke. If you have an HVAC system in your home, use the highest rated MERV filter for your system, ideally rated 13 or higher, and set the fan to recirculate air constantly. You can also use a portable high-efficiency particulate air, HEPA, air cleaner. Keep your doors and windows closed if the temperature in your home is comfortable. Take a break from the smoke at a location in your community where you can find clean, cool air. If you must spend time outdoors, a well-fitted respirator-type mask, such as a NIOSH-certified N95 or equivalent respirator, that does not allow air to pass through small openings between the mask and face, can help reduce your exposure to the fine particles in smoke. These fine particles generally pose the greatest risk to health. However, respirators do not reduce exposure to the gases in wildfire smoke. It is important to listen to your body and reduce or stop activities if you are experiencing symptoms. Be sure to check on people in your care and those around you who may be more susceptible to smoke. Reduce sources of indoor air pollution. If you can, avoid smoking or vaping indoors, burning incense and candles, frying foods, using wood stoves and vacuuming. Dust on indoor surfaces can be removed by wiping and wet mopping during a pollution episode. If you experience any feelings of stress, anxiety, or depression, contact your mental health care provider for advice or visit https://www.willmessageother.ca/en-ca. Environnement Canada a mis à jour un bulletin spécial sur la qualité de l'air à 19h59 par le mardi 16 mai 2023. Un bulletin spécial sur la qualité de l'air est continué pour Ville de Calgary, Cité de Rocky View près de Bragg Creek et de la résidence 1, Suutiai Narez, Cité de Foothill près de Prittis et du Brown Lowry Prof. Park, Cité de Foothill près de Diamond Valley, Cité de Foothill près de Okotoks et de Winton, Cité de Rocky View près d'Airdrie et Crossfield, Cité de Rocky View près de Beautre et Madden, Cité de Rocky View près de Cochrane, Cité de Rocky View près d'Irikana, Basse-Écure et Catherine, Cité de Rocky View près de Chestermere, Dalroy et Delmead, Cité de Whitland près de Strathmore, Lyalta et Carsland, DM de Bighorn près de Canmore, Exshaw et Ghost Lake et district en voie d'organisation de Kananaskis près de Kananaskis Village. La fumée cause ou risque de causer une mauvaise qualité de l'air et une visibilité réduite. Arrêtez ou réduisez votre niveau d'activité si vous ressentez un inconfort en respirant ou si vous ou une personne dont vous prenez soin ne vous sentez pas bien. Communiquez avec votre professionnel de la santé ou les autorités sanitaires locales si vous présentez des symptômes graves ou si vous avez besoin de conseils. Consultez la Coder Santé et surveillez vos symptômes. Tout le monde ne réagit pas de la même façon à la fumée. Il est courant de ressentir une légère irritation et un inconfort qui disparaissent généralement lorsque la fumée se dissipe. Boire beaucoup d'eau peut aider votre corps à composer avec la fumée. Si votre maison est dotée d'un système de chauffage, ventilation et climatisation, utilisez un filtre de code MERV la plus élevée autorisée par le système, idéalement 13 ou plus, et régulièrement.
gonfler le ventilateur de manière qu'il recycle l'air en permanence. Vous pouvez également utiliser un purificateur d'air portatif muni d'un filtre à haute efficacité pour l'élimination des particules, HEPA. Laissez vos portes et fenêtres fermées si la température de votre demeure est confortable. Prenez un répit de la fumée à un endroit où il y a de l'air pur et frais près de chez vous. Si vous devez passer du temps à l'extérieur, le port d'un masque respiratoire bien ajusté, comme un respirateur N95 certifié par l'ONU équivalent, qui ne laisse donc pas passer l'air par des ouvertures entre le masque et votre visage, peut vous aider à réduire votre exposition aux particules fines de la fumée de feu de forêt. Les particules fines présentent généralement le plus grand risque pour la santé. Toutefois, les respirateurs ne réduisent pas l'exposition aux gaz présents dans la fumée des feux de forêt. Il est important que vous écoutiez votre corps et que vous réduisiez ou arrêtiez vos activités si vous ressentez des symptômes. Portez une attention particulière aux personnes dont vous avez la charge et pensez à prendre des nouvelles des personnes de votre entourage qui pourraient être plus vulnérables à la fumée. Réduisez les sources de pollution de l'air intérieur. Si possible, évitez de fumer ou de vapoter à l'intérieur, de faire brûler de l'encens ou des chandelles, de faire frire des aliments, d'utiliser des poêles à bois et de passer l'aspirateur. Il est possible d'enlever la poussière des surfaces intérieures en l'essuyant avec un chiffon humide ou en passant la vadrouille pendant un épisode de fumée causé par des feux de forêt. Si vous ressentez un sentiment de stress, d'anxiété ou de dépression, communiquez avec votre professionnel de la santé pour obtenir des conseils ou consultez le site web https://www.wellnesstojd.ca/fr-ca.